Why, good morning, Oliver. Your groceries are over there, honey. Thanks. Oh, I almost forgot. Did Philip find you? He said he had something to show you, dear. Really? So he finally finished it, huh? Do you know where he is right now? He just stepped out with some deliveries for me. I doubt he'll have gotten far. Thanks, Miss Layla. Oh, say hi to your mother for me. Sure thing, Miss Layla. Salut à tous, c'est Titanos, j'espère que vous allez bien. Allez, nouveau jeu, on va tester ça. Alors graphiquement, c'est ce qui m'a fait craquer. J'ai pris ce jeu-là, Ninokuni, le 1. J'ai vu qu'il y avait le 2 aussi. Déjà, on va essayer le 1. Normal, hein. On va faire les choses dans le bon ordre. Alors. Bon, apparemment, c'est... je sais plus comment c'est... Je crois que c'est Ghibli, l'équipe qu'on reconnaît tout de suite la patte. Hein, mon voisin Totoro, tout ça... graphiquement c'est exactement ça et je fais on va essayer ça. Alors encore une fois, j'espère que le jeu va me plaire, sinon vous ne verrez jamais cette vidéo. On va tester je crois une heure, un petit peu plus peut-être, et puis si ça me plaît je continue, et comme d'habitude si ça me plaît pas on zappe, on fait autre chose. So what do we do now? What else? We take our first spin tonight. What? Tonight? But I can't, I mean I need to ask my mom. Sure. You go ask your ma. Il faut que je demande à ma maman quand même. Tomorrow? Next year? Well, I... No, but... Okay, we'll do it tonight. But we'll have to be real quiet. Sure, we will. Les petits rebelles, ils vont se faire une petite mission secrète ce soir. My garage. Be there? Sure. Bon, en tout cas, c'est super beau graphiquement. On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du gameplay. This is the child who will save the world. Or so says the crystal ball, your radiance. The dark djinn's power alone will not suffice. I fear not. What is the child's name? Oliver, your radiance. Oliver? Mini carte. Ouais bon, ça va peut-être être un petit peu long au début, forcément c'est un peu le tuto donc. Ah c'est. On peut jouer. Ouais, ça a pas l'air très grand. Il y a 4 baraques. Donc apparemment la grosse étoile jaune c'est l'objectif donc ouais. Ah mais c'est trop beau, c'est fluide, c'est... Vraiment c'est bien. On va voir un petit peu au niveau des combats après comment ça se passe. Mais là franchement c'est... Manette en main c'est trop bien. Faut que j'aille là-dedans. Hey mom. I got the groceries. Thanks, sweetie. Just pop them on the table, will you? Say, Mom. Did you say something, sweetie? You're kinda busy tomorrow, huh? Well, now that you mention it, I do have to practice for my concert in the morning. Oh, yeah? So, you'll be in bed kinda early, huh? Yes, I suppose I will. Oh, you will, huh? Will you stop being so mysterious and eat your breakfast? You'll be late for school. And chew before you swallow. Thanks for breakfast, Mom. See you later, Mom. Bye, sweetie. You be good now. I will. Ouais, je sais pas ce qu'ils sont en train de magouiller ces deux-là, mais... je sais pas ce qu'ils préparent, en fait. Ils veulent absolument se voir ce soir, mais je sais pas ce qu'ils... Ah, le grand soir, mais je sais pas ce que vous magouillez, les gars.
On va savoir ça. Et la nuit tomba. Un menu principal. Ok. Ah ouais, sauvegarde aussi, ouais. Ah, c'est bien les jeux où tu peux sauvegarder quand tu veux, ça c'est vraiment bien. Alors, bon là, y a rien. D'accord, moi j'ai aucun objet, j'ai rien du tout. Ouais, quand tu peux sauvegarder comme tu quand tu veux, t'arrêtes quand tu veux, tu reprends là où t'as arrêté, c'est bien. C'est pas comme, je sais pas, un Dark Souls par exemple, où t'es obligé de trouver un feu. Bon, il n'y a rien à récupérer. Il n'y a pas d'objet. Belle petite maison. Et j'ai l'impression que ça fait penser à Tom Sawyer en fait. Les maisons de l'époque, la Tom Sawyer. Sauf que lui, il y a des chaussures. Mais ça me fait penser à ça. Ah, on va enfin savoir ce qu'il prépare. Rendez-vous au garage. Motivé, motivé. Hey, in here. What are you looking at? What is it with that kid? What kept you, Slowpoke? Sorry, my mom just wouldn't go to bed. So, is it finished? Sure is. The last bearing's in, and she's primed for action. Wanna see? Do I ever? All right. Here goes nothing. Okay. Wow. Oh, ouais, carrément. Oh, is this neat? Phil, this is so, so neat. You betcha. It's so neat. The new Cube Deluxe ain't got nothing on us, Ollie. It's not even close. So, you ready to hit the road, kiddo? Yeah! Ah, pas mal, pas mal. La fille à la fenêtre. Elle est dangereuse, elle est dangereuse. Voilà, c'est un peu grillé. Sortir la voiture comme ça, c'est un peu chaud. Ah, faut que j'aille surveiller, c'est ça. Bon, il y a un objectif avec la croix là, enfin l'espèce d'étoile, c'est bien parce que là j'aurais un peu galéré pour savoir où aller. C'est bon, il y a personne. All right. The coast is clear. La voie est libre. I better go tell Phil. Don't go. Ah. What? Huh? It's bad. Mais c'est quoi tous ces gamins qui traînent le soir? Don't go. Huh? Who are you? How do you know my name? Ollie. What's taking you so long? I'm sorry, Phil. Someone saw me. Oh, man. Who was it? Oh, that girl of a... Huh? What are you talking about? Oh, c'est quoi ce truc? There's nobody there. Huh. That's weird. She was right there. A girl. A girl, huh? Mm-hmm. I bet it was that dumb, scary Mary. Oh, no. Couldn't be. Ouais, she's elle, not allowed elle a pas le droit de sortir. Out. You must be going screwy or something. Anyway, come on. Oh, okay. Bon, bizarre.
Oliver. The boy who will save the world. But unfortunately for him, his light is yet a mere candle in the blackness. Indeed. He may be the child the prophecies speak of, but he is a child nonetheless. Yet these humans can be disturbingly powerful. Did the other's darkness not engulf the land entirely? Might this one not prove equally tenacious? What would you have me do, your Radiance? Such saplings must not be suffered to grow. Very well, your Radiance. He who would save this doomed world must die. Sweetie? Where are you? Oliver? Oliver? You're kinda busy tomorrow, huh? Well, now that you mention it, I do have to practice for my concert in the morning. Oh yeah? So, you'll be in bed kinda early, huh? Oliver! Oliver! Oliver, wake up! Mom? Oh, sweetie, I'm so glad you're okay. I'm sorry, Mom. I'm sorry. I swear, if I'd known, I never would have... Don't be silly, Phil. What about your car? That hunk of junk? I can make another one in no time. Well, I think you two have had quite enough excitement for one day. Yes, ma'am. Are you okay, Phil? Must have twisted my ankle back there. Whatever will you children get up to next? Huh? Allie! Allie? Are you okay? Mom? What's wrong? Oh, my. Mom? She always did have a weak heart. Mom? Oh, dear. I'll fetch the doctor. Mom! Oliver, sweetie.
Oh, sweetie. Mom! You'll be okay. I know you will. Be good now. For me. Mom? Mom? Mom! No. No! Don't leave me. You can't. Mom! Mommy, don't leave me. Mom! Sentimental fool. Sacrificing herself to save her child. And yet, thanks to her, the boy lives. Of course. But shorn of his mother's love, to whom can he now turn for guidance? And soon he will come to our world, where our powers are strongest. Very good, your radiance. Let us see how this story unfolds. I'm sure the ending will be engaging. Oliver, honey, I brought you some apple pie. I'll just leave it here for you, okay, dearie? You'll just have to wait until dinner, Timmy told him. Oh, it's so sad. He's been in there 3 whole days now. Oliver, Mummy starts her new job today. But she's asked someone very special to take care of you. Mummy spent a long time making him. I'm sure he'll look after you very well. Be good while Mommy's away, okay? Mommy! Is something wrong, sweetie? Just come back soon, okay? Of course, sweetie. We'll always be together, Oliver. Always. Always. Mommy! Come back! Please! Curse lifted, is it? Tiny! I'm free! Free! Huh? What just happened? You just witnessed the rebirth of Drippy, Lord High, Lord of the Fairies. Who? What, are you deaf or something? Drippy, Lord High, Lord of the Fairies, I said, didn't I? Drippy? That's right, and I'm sick to the teeth of you a-snivelling and mourning. A proper crybaby bunting you are. 3 days, man. I mean, I've been sad before, but crying for 3 whole days? I'm surprised there's a drop of water left in you. You're a big boy, man. 3 days is, well, it's unheard of. What? Oh, dear, a bit flummoxed, are we? Bit lost for words. Not to worry, man. I got all the answers. Oh, but prepare yourself. Explaining all this is going to take a while. Ready? Tidy. I like your style. Very honest. Anyway, stay that way, okay? Take you far, I will. On with the show! Okay. See, it's like this, see? What it is there's more worlds out there than this one by you. There's what you might call parallel worlds, see? They're like worlds along by the side of your one. And one of those worlds is my world. That's right, a whole nother world. Another world?
This quick you are. And I, that is the Lord High Lord of the Fairies, the reason I'm by her in this world of yours, well, it's because there's a proper bad apple trying to upset the peace of both our worlds, see? Shada, the Dark Djinn, his name is, and what he did was he took over people's hearts and spread war and ruin all over our world. Tried to stand up to him, I did, and he turned me into a flipping doll and kicked me out of our world and into yours, the rotter. Uh-huh. And then you went and cried all over me and poof, the curse was lifted, just like that. Which makes me think you must be the one we fairies call the pure-hearted one. The one the legends say will save our world. Just goes to show you can't judge a book by its cover, eh? So, anyway, that means I better get you over to our world and have you get rid of Shaddaa for us. All right with you? Me? But how can I... Don't fret, man. It's a big responsibility, I know, but you'll be all right. Especially with me to help you. But I... Oh, want me to ask properly, do you, fair dues? What? Oh, pure-hearted one, will you please come and save our world? No. Sorry, I must have misheard you. What did you say? Go on, once more, but louder. I won't do it. I mean... I can't do it. This is why they say never work with children. I ask nicely and you give me a hearty, yes, sir. That's how this works, see? Gee whiz, that would be swell, you say. It's just how these things are done. It's tradition. How am I supposed to work with this? It's like he's never read a story in his life. But I don't know anything about your world. And I just can't right now. What, because your mom dropped dead? Yeah. You got a photo of her? Hurry up, will you? I haven't got all day. Okay. Let's see now. Blimey. It can't be. But then it can't be a coincidence, neither. What is it? The great sage Alicia. Then we might just be able to save you, ma'am. Huh? What are you talking about? You ready for another year full? Yeah. The souls of people in your world and my world are connected, which means people from over by you have another version of themselves over by there, called a soulmate, see? And people with soulmates can even look like each other. Now, your mam, well, she shared a soul with the great sage Alicia. A proper talent she was. Huh? So my mom was a sage? But how does that help us save her? Well, Alicia tried to take on the Dark Djinn, but his power was too much for her, and he trapped her in this dark jewel called the Soul Snare. When that happened, then the link between hers and your mam's souls would have been cut off, but if you could free Alicia, it just might fix the link, and who knows, it might even bring your mam back. Is that really true? I can't be sure now, but it's possible, yeah. Wait. How do you know all this, Mr. Dribby? You've been a doll this whole time. Ah, now there's clever of you. Good question, lad. It's like this, see? I'm not the only fairy. Even though I was stuck by you, my buddies were keeping me abreast of all the goings-on over there. How? I suppose it's what you might call telepathy. And that's not all. I was sending my lordly orders back over there, too. Having them spy on Shaddaa and that, you know, tidy, huh? Hmm? What is it? I'll do it. I'll come to your world. I'll come with you and save my mom. Oh, that's marvellous! You might be doing it for all the wrong reasons, but if it saves our world, I won't look a gift horse in the mouth. Tidy! We better get going then. Chop, chop! Okay. But how do we get to your world? Oh, curious, are we? All right, I'll tell you. First thing we need is a drop of magic. Go and have a dig around in the fireplace. There's something hidden there so nosy parkers won't find it. But why would anybody hide something in there? That's for me to know and you to find out. Look lively. Oh bon, énormément de dialogue. On aimerait bien jouer un peu. Ah. C'est ici. Après, je sais pas trop. What could be hidden in a place like this? A mighty spell book. Huh? A book? But it would burn in there.
Not this book. The wizard's companion laughs in the face of fire. Wouldn't be much of a spell book if it didn't now, would it? Really? Aha! Gotcha! This is a spell book? That there is the wizard's companion, the fount of all wizarding knowledge. The wizard's companion. Un grimoire. L'almanach du magicien. Titanos, hein. Bah, c'est vrai que le héros, là, on n'a pas le choix, c'est garçon ou garçon. On peut pas, si on est une fille, on peut pas. Il n'y a pas le choix, quoi. On est obligé d'avoir le. Olive. Il y a des jeux où on peut choisir son personnage masculin, féminin, là. What is it? You got a wand somewhere by here? We can't go casting spells without a wand now, can we? A wand? Why would we have a wand? Oh, that's a pain. Ah, well, can't be helped. We'll just have to look for one outside. Huh? We won't find one out there either. Don't nitpick, crybaby Bunting. Bunting? My name is Oliver. Oliver. Ah, so the crybaby bit was right, at least was it. Ugh. Une baguette magique. La chasse au Dahu. Bah lui, ça va être le petit blagueur de l'histoire, je pense. Croquignolet. J'ai long et marron. T'arrives à atteindre les pédales. Je l'imagine bien au volant. Le sac s'en fout. Ah. Oui, mais y a rien dedans. Mais... Ah, d'accord, ouais, y a pas mal de trucs. Là, donc, ouais. Les armes, des bagues, des... Qu'est-ce que c'est que ça? Bon pour un familier qui peut être échangé contre un minus adoré. Minus doré, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on verra plus tard. Faut que je fasse quoi? Oh, de mouton balai, tiens, ça fera une bonne baguette. Non? Non, faut que j'aille là-bas.
Bon, tu prends une branche là, il y a des arbres, t'as qu'à prendre une branche. Ah. La fille mystère. Mystérieuse. You're the little girl I met before, huh? Mm-hmm. We met before. So, how do you know who I am? I'm really, really sorry, Oliver. Huh? Your mummy. Mais en fait, moi j'ai changé, j'ai mis Titanus et il m'appelle toujours Oliver. Huh? I don't. Why would you be sorry for that? I wanted to save her. I really did. Huh? Hey, wait. Where are you going? Hey, where did you go? Ollie boy, why are you talking to thin air? Disparu. She disappeared again. Au coin de ma rue. That strange girl. Ah, c'est bizarre ce truc. That's the second time she tried to talk to me. What's that? A girl? Where? You're right about strange. I can't see her any flipping where. Well, how could you? C'est aussi bizarre que cet étrange petit personnage avec un piercing lanterne. There is? Sure, go ahead. Do you mind it? You know, having a sidekick, like. Huh? A sidekick? Who do you mean? Crikey, that's cold. Who do you mean, he says? Why not stab me in the heart while you're at it? I mean me! I wanted to know if it was all right me joining you on your adventures. Or if you were maybe wanting to trade me in for a younger, prettier model. But it looks like I got my answer, huh? Well, so you know, if you don't have faith in people, you'll never see their true worth. Ah, and what's more? Look at this. Huh? It was on the ground, right where that girl was standing. Chuck it here, then. Bizarre, en fait, lui, il a pas de pied, il est trop bizarre. Ouais, il a pas de pied, il a pas de chaussures. Il a des moignons. Come over here and take a look, man. It might seem like any old stick, but it's got all magic writing on it, see? Donc alors là, ça si c'est pas une baguette de magicien, j'y connais rien. The runes are all faded, so it might have lost a bit of power. But for our current purposes, it's a beauty. Neato, what a stroke of luck. Luckier than you know, Ollie boy. Dude, I never thought we'd actually find one. Do you think maybe un bout de bois gravé, sculpté, à même le sol. Vous avez obtenu un vieux bâton. Un vieux gourdin. To cast gateway, you need somewhere prop. You need space to give it oomph, see? Do we really need that much? What kind of question is that? Magic is... You have to cast spells in the best environment possible. You really are new to this, aren't you? This is beginner stuff with... Oh, sorry. Now, take me somewhere with plenty of space. It's... The town square, I guess. Ah. Bon là ça fait 30-40 minutes de jeu, mais pour l'instant je suis incapable de dire si le jeu il est bien ou pas. Il est beau, il y a beaucoup de cinématiques, beaucoup de dialogues, mais je peux pas dire si... Faut vraiment... Mais j'ai hâte de voir la suite quand même. No worries, man. Normal people can't see magic, see? Go on, ouais, Ollie boy, place. Cast gateway. Ah. That's it, man, you got it. Shunting, crybaby Bunting! For the last time, it's Oliver! Hey, it's not bad work for a crybaby, this. Ugh. Oh.
it, shall we? Huh? Hey, wait for me! So this is your world. Ah, home at last! But there's a tidy way to go yet. Hey, Mr. Drippy, that was pretty neat just now, huh? Oh, that herd of elk! Enjoy your first encounter with the majestic wildlife of our mysterious world, did you? Uh-huh. Huh? Jeepers. Oh, knickers! Where did he spring from? Huh? Ah! What do we do? He's not like the big softies just now. He's itching for a fight. Proper savage! Let's run away! No, use that stick you got by there. Give him a whacking and send him packing. Look lively, he's making his move. Attention, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors un bon coup de latte dans la truffe et on va s'y régler. Alors là, je sais pas ce que je vais faire avec mon bâton. Hein. On dirait comment ça s'appelle dans les Pokémon là, Evoli. On dirait Evoli. Bon là on va voir si c'est bien ou pas, parce que là il y a beau, c'est... Franchement le jeu il est magnifique, graphiquement c'est magnifique. Il y a une belle histoire et tout, mais on va voir un petit peu... On va rentrer dans le gameplay, alors là, quoi, il y a tout, il explique tout, la jauge, les machins... Ouais c'est un genre de Pokémon en fait on dirait. Attaque. Tiens. Tiens, sale bête. Ouais, ça fait presque... Ça fait presque de la peine de lui mettre des coups de bâton. Cette pauvre... Comment il s'appelle? Lion Chio. Lion Chio. Ah, ça te... T'as pas envie de le frapper, en fait, mais bon... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il va te croquer les mollets, je sais même pas s'il a des dents le truc. Tiens. Oh là, ça fait mal. Et il est mort, allez. Explosé à coups de bâton, c'est trop bien. Oh là là là, ouais, c'est arrivé, je sais pas, là, pour l'instant j'ai pas trop vu. Oh yeah, I forgot to mention. Our world is absolutely riddled with beasties. But keep that up and you'll have nothing to worry about. Right, let's get a move on, shall we? Sure, Mr. Drippy. But where are we going? Well, first off, we need to get you a wand. But I already have a wand. You're having a laugh, aren't you? That thing's about as magical as a flipping cabbage. Ceci, cela. You might just squeeze a gateway spell out of it, but you can forget about anything more than that. Honestly, I wish you'd think before you open your mouth. Oh, sorry. Now, I told you Ding Dong Dell was just over by yonder, didn't I? Well, if we're very lucky, we might find a wand with a bit more oomph down by there. So, are wands really so hard to find here? Well, time was you couldn't move for the flipping things. But since Shaddaa showed up, magic's taken a real nosedive. He banned people from using it, see? Cursed anyone who tried to. He scared them all so much they gave it up. Ça doit être le méchant du jeu, so, je pense. He's pretty scary, huh? Well, he turned me into a flipping doll, didn't he? Just saying his name's enough to make most folks brick it. Still, I'd rather be a doll than have him go poking around in my heart. No one wants to be broken-hearted. Qui voudrait d'un doudou comme ça? Like, sad? Worse than that, much worse. It's when he steals a piece of a person's heart. Poor beggars don't know whether they're alive or dead. That's no way to live, man. So that's why they're all so scared of him, huh? We can't let him go on doing this. Well, it's not a matter of letting him, is it? It's not like people flipping enjoy it. That's why I brought you here, innit? You might just be able to stop him, see? You really think I can? Course you can! You are the pure-hearted one! And the legends say that the pure-hearted one will drive away the darkness! We'll teach you a few tasty spells and you'll be ready to face him in no time! Sound good to you? Okay, I'll do it. I'll learn magic. Course you will! And that's why we need to find you a better wand! All right. Let's head for Ding Dong Dell. Tidy! Ah,
Le monde à l'envers. Allons à la boulangerie et acheter une bonne baguette. Pauvre petit lion chiot. Tiens, prends ces trois miches. Ça aurait pu me filer une baguette. Hein. Ouais, c'est de l'énergie. Ah, c'est bien beau les miches. Oh, une petite envolée d'oiseaux, je sais pas si vous avez vu. En tout cas, là, ça donne envie d'explorer. Regardez, il y a des montagnes, y a un château là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, là il y a de quoi faire. Bon, ça me donne trop envie d'aller voir ce que c'est. Les étoiles là, c'est quoi ça? Des pouces coups de pouce. Restore 30 points de PV. L'efficacité des potions est principalement utilisée en alchimie. Ouais, d'accord. Ouais, bah ça a l'air assez complet. Il y a de la magie. Il y a forcément de... encore un lion chiot. Ah non mais. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Il court, mais. Ah, il y a encore des trucs, des étoiles là-bas. Qu'est-ce que c'est, un rat-taupe? Ça va être quoi ce truc? Un chorino. Ouais, ça va, je fais des dégâts, mais bon, j'ai pas de sort. Pour l'instant, j'ai pas de sort magique, j'ai pas de protection, j'ai... Chorino, chaud. Rouler boulet. Moi j'irai un coup de latte, perso j'irai un gros coup de latte dans la tronche. Bon, deux points d'expérience. Ouais, ce que je voulais voir c'est quoi ça. Bon, en tout cas graphiquement encore une fois c'est magnifique, c'est vraiment super, il y a quelque chose, c'est... Regardez, c'est super beau quand même. Et puis il y a un côté humour aussi qui est pas mal. Qu'est-ce que c'est ça? Un cerfeuil. Un pioupillon. Là c'est un poussin, papillon, c'est un pioupillon. Là, c'est... Oh bah je l'ai rafalé, pioupillon, pioupillon. Bah, zéro expérience, c'est abusé. Mais c'est vrai que c'était... J'ai gagné 3, je sais pas quoi. 3 euros et pas d'expérience. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouroboros. Le serpent qui se mord la queue. Ah oui, il a un petit peu plus de PV, on dirait. Agilitateur, c'est quoi ce truc? Ouh. Oh, ce coup de bâton. Là, j'ai au moins 2 points d'expérience. 3, allez. Les petits stats là, je sais pas trop ce que ça va donner par la suite. Niveau 2. Donc apparemment faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille au château. Hein.
De toute façon, ça donne trop envie. Avec le petit pont. Ah. Ouais, d'accord. Carabas. Carabas, je sais pas. Oh, attention, les villageois sont en pleine rébellion. Looks to me like a classic case of brokenheartedness. Brokenheartedness? You mean that thing you were talking about before? That's right. The brokenhearted are people who've had part of their hearts stolen. Poor souls just aren't themselves. Go all weird and useless, they do. So his heart was broken by... Keep up, will you? Shadar, innit? If anyone tries to stand up to him or does anything he doesn't like, he breaks their hearts into pieces so they can't put up a fight. Jeepers. But if he stays that way, we can't get into Ding Dong Dell. Ah ouais, donc on peut pas rentrer. Bon. Vous n'êtes pas le bienvenu. Ouais, faut chacun me... Ah, d'accord. Bon, du coup, on va explorer un peu, ça c'est bien. Bon, pour l'instant, moi, je sais pas ce que vous en pensez, moi, ça me plaît. Encore le... Comment il s'appelle, le lion... Je sais plus comment, j'ai oublié comment il s'appelle. Ah, il y a un qui est motivé, là. Tu veux prendre des coups de bâton, là, ou... un bel ingérant. Avec sa corne... Des poules pour une licorne. Oh là là, les coups de bâton dans la tronche. Ah, c'est quoi ça? J'ai un truc bleu, je sais pas ce que c'est. J'ai là-haut. Ah, c'est pas mal, hein, les petits bosquets comme ça, il y a une espèce de... Je sais pas, de trucs de dinosaures là. Des ossements. Ah. Bon, au niveau des ennemis, c'est varié à pioupillon. Il y a une bonne variété d'ennemis apparemment. Mais toi, tu as encore. Ah, somnibule. Ah, d'accord, ouais. Ouais, ça me fait penser un petit peu, il y a un côté Pokémon, Final Fantasy... Un petit mix de tout ça, c'est... Bon, par contre, je suis tout seul. Plante curative. Je veux ça. Coup de pouce. Ouais. Ah. Un moineau. Un frappasse. Mais c'est bien, on peut se déplacer pendant le combat et tout, c'est une bonne idée, c'est bien. Fuite. Ouais, ça fait vraiment penser à Final Fantasy, hein, les trucs de fuite, défense, attaque. L'essor magique.
Bon, sauf que là, je suis tout seul, mais peut-être qu'après, il y aura des partenaires et il y aura des trucs à gérer. Il y en a un qui sera super. Super balèze avec des armes. Moi, je serai à la magie. Puis il y aura forcément une meuf qui va soigner tout le monde, qui va réanimer. Enfin, j'imagine, c'est un peu comme ça. On va voir, hein, je sais pas. Toi, je t'ai déjà vu, je t'ai déjà affronté. Tiens. Ce coup de bâton, c'est d'une violence. C'est lui qui a commencé, il m'a agressé. Ah, presque niveau 3. Ah, on peut se cacher dans la forêt. Ah, le lion chiot, c'est ça. Ou chiot lion, je sais plus. Moi, je pense que si je continue, je continue le jeu, on va voir comment ça se passe. Voilà, pour l'instant, ça fait envie, mais regardez, je pense qu'il va y avoir des grosses phases d'exploration pendant des heures. Il va y avoir des tonnes de trucs à explorer, que des trucs cachés. Là, on a déjà vu. J'aime pas trop les serpents. Bon, ça c'est de l'énergie, mais je pense que le truc bleu que j'ai eu tout à l'heure, je pense que ça doit être des points de magie. Un café glacé. Il restaure 10 points de magie. D'accord. Mais pour l'instant, j'ai aucun sort magique, donc... Orangel des plaines. Allez, ça, on peut pas rentrer là-dedans. Ah, c'est trop bien, bois obscur. Ah ah. Pierre levée. Ah bon, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas sauvegardé encore. Donc oui, Lord Slayer, hein, c'est mon blaze. Hein. À l'époque, Titanos n'existait pas encore. Donc ouais, c'est vrai, j'ai pas sauvegardé. Bon, ça va, c'était pas trop violent. Et si j'étais mort, j'aurais dû me retaper, je sais pas, toutes les cinématiques. Je sais pas trop quand on meurt, comment ça se passe. Mais faut que je pense à sauvegarder. Là, il y a l'option sauvegarde à volonté, donc faut en profiter. Mr. Drippy, wait for me. Ollie boy, meet old Father Oak. How do, you a leafiness?
Oh, Drippy, it's you. And to what do I owe the pleasure? Well, I got a visitor by her from another world, see? And what it is, I was wondering if you might lend us a bit of a hand, like. Oh, I should have known. You only ever come to see me when you are in need. Sorry, you tall ship. You know I'm always very grateful. This boy. Ah, spotted it, did you, you bark ship? Well, well. The pure-hearted one. He who will drive out the darkness. And Rippy, you mean to... That's right, your ancient ship. We're off to give Shadar a right royal hiding. You? Why? As reckless as ever, I see. Very well. You shall have my aid. But first, we had better give the boy a familiar, had we not? Oh, yeah! Clean forgot I did. He's right, Dolly boy. It might be a bit early, but I suppose we better teach you how to conjure up familiars, innit? Familiars? Yep, familiars. You're in our world, you can magic up little fighting creatures from your heart, see? They're called familiars. Where we're going, the beasties are only gonna get bigger and meaner. So, you're gonna need a helping hand. Or claw, or beak, or tentacle. Can I really do it? Well, there's only one way to find out. You want to help your mum, don't you? Sure I do. Well then, grab your wizard's companion and turn to the page marked Form Familiar. Warrior from your very own heart, a familiar. This is a familiar? That's right. The fighting spirit inside you made flesh, a soldier of your soul. And he can really help me fight? Ooh. Ooh. Huh? Ouch! That was a mean trick. And the stronger you get, the harder he's gonna hit as well. Wow. Bon, voilà, il s'est passé plein de choses, hein, là. J'ai enfin des sorts magiques. Waouh! Boule de feu, premier soin. Et puis, l'espèce de familier, là, le vieux chenu. Alors, menu des sorts. Oh!
T'es quoi toi, tu veux te battre ou... Uh-oh! Huh? Spoiling for a fight, is it? Better give him what he wants, Ollie boy! Huh? But what do I do? Just think what you want him to do and he'll do it! It's as easy as falling off a log, man. Okay. Just think what I want him to do. Here goes! Ah, Boisy! Boisy A, Boisy B! Ouais, donc comment ça marche tout ça? Ok. Ouais, ça fait beaucoup de... Non, on veut de l'action. Mais bon, c'est important de savoir un peu tout ça. Donc en fait, ouais, t'as un familier qui se bat pendant un court instant, enfin, pendant un temps défini. Et tous les coups qu'il prend, ben, en fait, c'est toi qui prends. Ah, ah ouais, pas mal. Ah voilà, là, c'est... Il s'est fait picorer. Ah mais lui en fait il fait rien, hein. Monsieur Lumi là, en fait lui il, je sais pas ce qu'il fait, espèce d'œuf. Lui il m'aide pas, il combat pas en fait. Bien joué petit. Bah je sais pas comment tu t'appelles mais... Je sais pas comment il s'appelle. Ah, niveau 3. Minimi. C'est pas mini moi, c'est Minimi. Après les niveaux, je crois qu'on peut, on peut pas choisir si on prend plus d'énergie ou de défense. Dans la ménagerie. Des friandises. Oh là. Votre chaîne T.
Bon. Alors, ménagerie. Ouais, bah, forcément. J'ai rien à te donner, désolé. J'ai même pas une graine. J'ai des miches de pain, mais apparemment. T'en veux pas. Ah non, on peut l'équiper et tout. Bon, moi j'ai hâte de tester mes boules de feu. Oh, attends, c'est où? Je dois aller où là? Bon, on peut pas trop explorer, hein, c'est assez... Il y a un chemin et tu peux pas en sortir. Je vais retourner et sauvegarder. Apparemment, une histoire de gardien, je sais pas quoi, là. On va voir. Ah, ça fait déjà une heure que je suis en train de jouer, c'est pas mal. Ah, un coffre. Ah, alors ça, j'adore les coffres. Une bonne miche de pain blanc. Alors là, s'il y a des passages secrets, des murs illusoires, des coffres à ouvrir, franchement, trop bien. Oh. Chutes chuchotantes. Ah, oh, attention, il y a de la recherche, hein, il y a de la recherche. Le vieux chenu. Votre chaîne T. Bon, les dialogues, hein, je fais vite, hein, parce que sinon ça va prendre une plombe. Ah, voilà, mes premiers sorts magiques. Premier soin, boule de feu. Ah, encore? Bon, si j'avais su, j'aurais attendu. Bon, je sais pas si on va continuer, parce que là, il s'est rien passé encore. Waouh. Qui est-ce qui va prendre une boule de feu? Un gambadin. Alors. Tiens. One shot. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Grillade. Et un petit côté Zelda aussi. Zelda, ouais, Final Fantasy. Ah, un coffre encore. Cool. Oh, une bonne barre de chocolat. Et puis Pokémon aussi. Un gambadin. We can do this. Here goes. Oh. J'aurais dû prendre. Oh, coup de bélier. Attention, ne m'oblige pas à faire une boule de feu. Ah ouais, eux aussi, ils évoluent, forcément. Ils ont des niveaux, ouais, là, c'est pas mal. Piou poussin.
Ah ouais, Boisy, ça. We can do this. Eh, Boisy. Une petite boule de feu. Allez. Allez, hop. C'était chaud. Oh, ça va, niveau 3, haut, comme moi. Ah, il y a un coffre là-bas. On peut pas rentrer là-dedans. Des fois, les cascades comme ça, on peut passer à travers. Il y a un passage derrière. Oh, un coffre bleu. Ah, merde. Ah, c'est quoi ces yeux là-bas? Regardez la grotte là-bas, il y a des yeux bizarres. En tout cas, c'est trop bon. Hein. Vraiment, là, on... Ah, encore un coffre. Ouais, je suis obligé d'y aller. Je l'ai vu. Je suis obligé d'y aller. Je sais pas comment on fait, mais... Voilà, il y a vraiment la patte du studio Ghibli, là. Vraiment, on est dans Totoro et tout. Tout le reste... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Des talents, comment on fait les talents? Ah oui, triangle. Lame erratique. Nuage de sable, coup de bélier, lancer de cailloux. Rayon de lumière. Ah ouais. Ok. Mais moi, ce que je veux, c'est ça. Bon, oh, encore une miche de pain. Bon, c'est bien. Est-ce que c'est par là le chemin? Ah ouais, j'étais en mode facile, d'accord. Bah, c'est pour ça que je one-shot tout le monde. On va essayer en normal, hein, parce que là, franchement, il y a de la marge. Un peu de difficulté, quand même. Enfin, je sais pas si ça change vraiment, mais... C'est vrai que là, en mode facile, une boule de feu, t'es mort, c'est pas rigolo, quoi. Étoile de direction, sous-titres... On va voir en mode normal si ça change. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ce truc? Oh, encore un. Aïe. Perforation. Encore un gambadin. Come on. On va voir ça tout de suite. Ouais, bon, il est pas mort, mais presque. Bon, en mode facile, c'est une boule de feu, t'es mort, et en mode normal, c'est une boule de feu et un coup de bâton dans la... Un coup de bâton dans les gencives, et... Ouais, c'est pas vraiment... On va rester en normal. Un crachou. Crachou, il est costaud. Ah, faut que je prenne... Ouais, voilà, on va mettre des petits coups d'épée, là. Ouh, putain, là, il m'a fait mal. Ah, par contre, ouais, je pense que les ennemis, ça change pas trop au niveau des dégâts, mais par contre, là, j'ai... Là, ah, je suis mort, voilà. En mode normal, ça pique. Ah, j'ai failli mourir. En fait, je pense qu'on prend plus de dégâts. Au niveau des dégâts infligés, ça fait pas trop de différence, mais au niveau des coups reçus, ouais, apparemment, ça pique un peu plus. Ah,
Ah, une petite sauvegarde. Je sais pas ce que c'est ce truc. Tu pourras l'utiliser. Allez, on continue. Gardien de la forêt, un golem, un boss, un boule de feu. Ouais, ça va, il prend des dégâts. Par contre, on va voir s'il me met un coup, on va voir ce que je prends. Ah, il est équipé façon boxeur, le petit bandage et tout. Ouais, le boule de feu ça marche bien, mais par contre, j'ai pas. Ça sera pas à l'infini. Typhon, défense. Ok. Ouais, bon là je me suis défendu, mais je pense que si j'avais pas... Ouais, faut avoir le réflexe après, t'es pas toujours... Imagine, ça one shot un truc comme ça. Ah, ça j'ai besoin. Ah, c'est bien le fait de pouvoir se déplacer comme ça, c'est bien. On n'est pas statique comme Final Fantasy par exemple. Ah bah j'ai plus de magie. Rugissement, défense. Voilà, je sais pas. Voilà, moitié de barre de vie. Allez, minimi. Ouais, défense. Oh, en plus, il a un bouclier, c'est bon. Ah ouais. C'est-à-dire... Oh, 8 de dégâts, ouais. C'est bien, hein. C'est bien. Ah, minuit, attention. Hein. Il a pas une épée pour faire beau. Hein. Ah ouais. Mais je peux rien faire. Wow, c'est quoi ça? Une orbe dorée. Bon, je sais pas trop ce que ça a fait, en tout cas j'ai repris toute mon énergie. J'avais machin à danse du sabre, mais je sais pas, c'est pas passé. Oh, attends, là j'ai de la magie, on va retourner aux boules de feu. Typhon.
Ah, je peux plus rien faire. Allez, Mimi. Va me lacérer ces cuisseaux. Découpe-moi son... Ah, une boule de feu, c'est quand même mieux. Ah merde, j'ai plus de magie. Ouais, j'ai pas le choix. C'est bon, il est mort. Ouais, un point de... Ah mais là je fais... Comment je peux faire Ah. Voilà. Oh, boule de feu, 16 points de dégâts, ça va. Bon, bah premier boss. Alors franchement, moi le système de combat, j'aime bien. Faut alterner entre la magie... Bah lui apparemment, c'est surtout la magie. Sauf peut-être après si on peut alterner avec la baguette ou une épée. Donc il faut jouer avec le partenaire, là, le familier. Nuage de sable. Bulle bizarre. Un terraformer. Bon, on s'est fait un premier boss. Trophée gardien de la paix. Un conte merveilleux, qu'est-ce que c'est que ces trucs? You did well to come, the guardian of the woods. And I found what I was looking for. But first, a gift, by way of thanks. Gee! You are on a roll, Bayerman! I entrust to you one of my closest companions, the Telling Stone. His knowledge of our world rivals even my own. I thought... He might help you on your journey. I'm sure if you ask him nicely, he will tell you anything you wish to know. And the other thing, the locket. This is what you came here for, is it not? It is a vessel for fragments of the human heart. To rescue the heartbroken, you will need the locket and the spells required to use it. I will give you those as well. Thank you so much, old Father Oak. Such a well-mannered child. Unlike some I could mention. What? All right. Ta, Buckface! Some things are as unchanging as the forest. No matter. You had best be on your way. Now, boy, you must come and see me from time to time. And tell me of your travels. I look forward to hearing of your progress. Mm-hmm. Yes, sir. Let's be off, shall we? Time to head back to Ding Dong Dell and mend a broken heart. Okay. Bon. Bah, ça c'est super, on a accès à la stèle du savoir. Quaker. Pasqueur. Ouais, ça enchaîne là, niveau entre les boules de feu et tout là, c'est... Je sais pas trop ce que c'est ça d'ailleurs.
Désormais, tu feras le nuage de sable. Ouais, par contre, ça prend du PV. Ah, forcément, lame erratique, ça prend 10 points de magie, j'avais pas vu. Bon, je sais pas si ça évolue après, mais là, pour l'instant, la boule de feu, c'est le plus efficace. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Bon, pas mal, hein. Moi je pense que bah, je vais enchaîner le jeu, hein, parce que là, ça... sauf si vraiment après ça devient trop plan-plan. Hein. Mais pour l'instant, moi j'aime bien, hein. L'histoire, ça donne envie. Le gameplay, encore une fois, il est pas mal. Il y a plein de trucs à explorer. Je sais pas si j'arrête là ou je continue. Là, ça fait une bonne heure que je joue. Après, il y a beaucoup de blabla, hein, forcément, c'est normal, hein, c'est le début, t'as l'explication du jeu. Donc forcément, beaucoup de dialogues, beaucoup de trucs. Bon, voilà, allez hop, Carabas. J'ai fait une petite coupure, hein, parce que... Alors, on peut rentrer dans ce putain de village. Mr. Drippy, we have to help him. Right, though, Ollie boy, I better explain how it's done then, innit? First thing you'll need to do is to take the locket Tree Face gave you and fill it with the piece of heart our friend is missing. The piece of heart? That's right, one of the bits we're all made up of deep down. The bits we're made up of? I don't understand. How can I put it? Ah, just give it a go, you'll soon work it out, man. First off, what that guard's missing is a drop of good old-fashioned enthusiasm. Find some and give it to him, and he'll be right as rain. Okay, but where do I find enthusiasm? Well now, feast your eyes on that other guard, but then... He's got more get-up and go than a sack of squirrels. If he hasn't got some enthusiasm to spare, I'm a monkey's uncle. Ask nicely, and I'm sure he'll give you a lend of it. Sure, I'll try my best. Tidy! Looks like you got yourself a locket full of enthusiasm. Now, you've just got to give it to our friend over by there. Okay, here goes. What's happening? Where am I? Well, 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 you're back with us, I see. Yes, I feel so strange, as if a weight has been lifted from my heart. I feel better. Thank goodness for that. I was worried about you. I'm sorry, I wasn't myself. But I'm back now, and ready to work harder than ever. Well then, these fine people have all come to visit our great kingdom. I think we'd better let them in. Indeed we had. This way, everybody. Whoa.
enfin. Tout ça à cause d'un soldat déprimé. Ouais, wow, pas mal. Wow, bon alors là il y a plein, y a carrément un village à explorer. Bah, c'est, moi franchement le jeu il me plaît trop. Pour l'instant, je sais pas pour vous, peut-être à regarder, c'est peut-être un petit peu chiant au début parce que y a, tout doit se mettre en place, mais à jouer, t'as donné envie de continuer. Hein. 10 villages, il y a plein de maisons et plein de portes. Ah, bah forcément. Aubergiste. Bon. Bon, on va couper là. On va couper là. Ça fait quand même une heure et demie. Bon, voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vous donne rendez-vous pour une deuxième partie de Ni no Kuni. Avec grand plaisir, si ça vous a plu. Et on va continuer l'exploration, on va voir un petit peu l'histoire, ce qui se déroule. Mais vraiment, c'est vraiment super bien. Moi, j'adore. Carabas. Je sais pas trop quoi. Allez, à très bientôt pour une deuxième partie de Ni no Kuni. Salut, salut!